vous propose aujourd'hui une vidéo sur des objets fabriqués avec des moules et de la résine époxy. J'habite maintenant dans la Manche, donc j'adore ce département, et la mer est magnifique, les dunes sont magnifiques, et donc tout naturellement, mon attention s'est portée sur les petits objets qu'on peut trouver sur la plage, hein, des tout petits cailloux, du sable, des petits coquillages, des petits objets comme ça, auxquels on prête pas attention lorsqu'on se promène. Et finalement, lorsqu'on s'assoit par terre et qu'on regarde à ses pieds, on y trouve, à mon sens, toute une foule de trésors. Alors, je les ai ramassés et je les ai posés dans des moules et j'ai fait toute une ribambelle d'essais et dont vous allez être témoin dans la vidéo qui arrive. Comme j'aime que mes objets deviennent des cadeaux et qu'avec un petit bijou à l'intérieur ou un petit objet en métal un peu plus significatif ou un peu plus brillant, je trouvais que c'était plus joli. J'y ai rajouté des bijoux et des pendentifs sur le thème de la mer ici. Voilà. Je vous laisse à présent avec tout mon process. Bon visionnage, à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça m'encourage, ça me fait plaisir, à vous abonner, à parler de ma chaîne, tout ça. À bientôt.
la résine, même les insectes. Alors pour l'instant, moi je suis pas prête à tout. En réponse à certains clients qui m'ont demandé de mettre des insectes dans la résine, pardon, mais pour l'instant je suis pas prête à ça. Voilà. Petite référence à mon amie Cécile avec sa peur des araignées. Non, rien que pour ça déjà, j'essaierai même pas. Et pour l'instant, ça me dit rien. Mais bon, si vous m'envoyez des insectes morts de mort naturelle et mignons, si ça existe, pourquoi pas.